Le FC Sion, tout de blanc vêtu et qui comporte un joueur noir, avait pour adversaire le lundi de Pâques des anciens internationaux comme Jacquard, Giger, Ruesch, Friedländer, Voleri, Ebi, Neuri, Buchou, Facchinetti et Guinchard. Cette rencontre était organisée au profit de la chaîne du bonheur de Radio Lausanne. Après le coup d'envoi, les vétérans ont retrouvé tout de suite leur habileté et leur tactique. Les Sédunois se saisissent momentanément du ballon. Mais Guinchard et Facchinetti montent une combinaison déconcertante. Et bientôt, servi par Friedländer, Monard marque le premier but en faveur des anciens. Le noir seille, du Sion est leste comme une gazelle. Mais une nouvelle attaque des Sédunois est stoppée par Buchou. Et une combinaison Mosen à Friedländer amène un second but pour les invités. Pourtant, le gardien Ruesch aura lui aussi fort à faire. Sey gagne à la course et Balma marque un but, 1 à 2. Après la mi-temps, Sion attaque vivement, mais les vétérans toujours jeunes ont Neuri à l'arrière. Et à l'avant, Sauvin qui a l'air de préparer quelque chose. Effectivement, Sauvin serre Ebi et le jeu est de 1 à 3. Mais Ruesch laisse passer dans ses filets un tir de goule. 2-3. Les Sédunois se ressaisissent. Notre ancienne équipe nationale avec Friedländer, Ebi, Sauvin et les autres montre toujours beaucoup de brio. Mais elle doit, une fois encore, capituler devant la fougue juvénile de Sion. Sion égalise 3-3 par un tir de grand.